Assalamu alaykum mbokku téléspectateurs yi tok di sétane sen émission ayo nenné ma ngi len dalal ak jam ci sen rubrique yaay ma votre sa suné ñu fassiyéné di ci diglé yété ak xamné ci walu wergu yaram ndax xam ngeen né bës bu nekk ci aduna bi juroom ñett témèr ak fanwéri jigen dinañ faatu ci ay jangoro yu ñu jëlé ci sen diiru ëmb ci teunk waxtu wu jot fanwér ak ñent dinañ ñak sen bakken li ëpp ci ñoom fils suñum réewum Afrique Saoudiante lañu ñaké sen bakken mbokk yi ñi sétane li waral lolu nak bokku na ci ñak kom kom ñak jumtukaay ñak bërebu fajukaay yu doy ak ñak xam mbir mi nak doy na waar waye safara ko yombuna ci kaw jigen bu nekk faratal li tubab di wowe suivi prénatal manam jigen du won lor ju ne nga dem ko docteur mu saytu sa yaram ci nu mu gëna gaawé ak ci giir ëmb bi yépp ngir andi len ci ay léral dañuy jokko ak Josephine Tiandoum di sage femme fofu ci clinique Lansar bu Pikine madame Tiandoum lan lañu diglé ci walum suivi prénatal fi ci suñum réew jëgëjëf ma gëtt ci lacc bi Sénégal nak ci mbirum suivi prénatal manam surveillance la grossesse nous avons au moins 4 consultations. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre qui est important. Je pense que plus nous sommes bons, plus nous sommes bons. Ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est que ce soit des consultations prénatales de bonne qualité. C'est la qualité qui prime. Alors, si il y a une consultation prénatale, donc au moins six consultations prénatales, c'est-à-dire grossesse bi, d'un coup divisé en trois parties, c'est-à-dire un suivi prénatal du premier tiers, du deuxième tiers et du troisième tiers. Suivi prénatal premier tiers, bien sûr, si l'on y confirme grossesse bi, que l'on a dans un premier temps avec test de grossesse. Mais pour confirmer grossesse B en tant que telle, il faut faire l'échographie. Moi, échographie obstétricale. L'échographie va nous permettre de dater l'âge de grossesse B. En plus, l'âge de grossesse B, il y a l'âge de voir si c'est une grossesse. Moi, confirmer la place de grossesse B, si c'est à la place qu'il faut, c'est-à-dire dans mon utérus B. Moi, je suis en train de faire parce qu'il peut y arriver une pathologie de grossesse bañ nek ci place une grossesse extra-utérine après une carotide place ou grossesse bi nga xamné mom l'échographie bi di woné échographie en même temps daf ñuy wax grossesse bi ñaata la ndax ben la wala ñaar wala ba ñett sax moy grossesse gemellaire yi wala trimellaire chez la femme en âge de reproduction manam jigen nga xamné dafa tollu ci jour il faut un bilan vaccinal, moi vaccination antitétanique, bien sûr, mais beaucoup de gens ne le font pas déjà. Après bilan vaccinal, bien, gens bien, il faut définir un niveau où on peut analyser, bien sûr, mais beaucoup de gens ne le font pas déjà. Tu dis où, grossesse bien, d'accord. Après ça, donc, il y a aussi une bureau de consultation, bien, moi, on a ligné voir la prise des constantes, moi, bien sûr, moi tension, bien, pouls, bien, température, mais les gens ont importance. Si jigen bu wérul ci constant yoy moy prise de tension bi fofu li ñu rechercher moy hypertension artérielle chez la femme enceinte parce que xam nañ ni que dafa am ay complications té lolu c'est un facteur très important ci suivi prénatal chez la femme enceinte consultation premier tiers bobu suñu kess digënté premier mois ak troisième mois grossesse bi et suñu jogé ci deuxième consultation prénatale, oui, moi suivi deuxième tiers, oui, moi digénité 4 mois à 6 mois. Puis deuxième tiers, bobo, également, dernier recherché linga ramené, moi une éventuelle présence d'un diabète gestationnel, moi glycémie à jeun, mais qu'il faut faire pendant la grossesse au deuxième tiers. Bleu vaisseau, dernier dame c'est troisième tiers, oui, linga ramené, moi fin grossesse, oui, digénité 7 à 9 mois, bobo dernier def linga ramené, moi dernier doit préparation à l'accouchement, c'est le plan d'accouchement. La préparation d'accouchement bobu nonou ci lañ wax jigen bi, ci lañ koy également jangal li nga xamné moy les signes de danger. Les signes de danger pendant la grossesse mais surtout en fin de grossesse. Donc si des signes de danger yoy yop moy bop yi metti, yaram bi tangi, dérèb bi xep moy dérèb bi xepu,
ak gis ndox bi nga xamné moy ar de dom bi pendant la grossesse. Yep, ce sont des signes de danger. Également échographie dernier tiab mo ñuy wax dom bi naka lay ñëwé ndax tank lay ñëwé ndax loxo lay ñëwé ndax bop lay ñëwé parce que présentation yi bëré na. Lool yep échographie troisième tiab mo ñu kay permettre. Également le fact le paramètre bi nga xamné mo lay gëna insister tamit moy prise de tension bi. Parce que mën na am dem à un certain âge de la grossesse ñu am yenn pathologie nga xamné tension bi mo koy créer le plus souvent en fin de grossesse. Donc lool doon yépp ce sont des facteurs importants qu'il faut prendre en compte pendant la grossesse. Jërëjëf madame Tiandoum ci léral yu am solo yoyu. Mbokk yi ñoko déggando ci ñent visite yoyu docteur bi Mbaye Sage Femme bi dina saytu sa yaram ba nopi xolaale li nga xamné modi magayu xalé bi. Lépp lu doon ram ngir lor yow yaay bi wala xalé bi dañu ko mëna faagaagal ci nemu gëna gaawé mbokk yi li lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen jox dig dajé wër wi di ñew ci seen rubrique yaay ma vote.